Salut tout le monde, c'est Darkbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hypixel en Murder. Bon, avant, j'ai quand même vu un truc. Je me demande qu'est-ce que c'est que ce parcours. Oh, il y a un parcours partout comme ça, je sais pas, j'ai l'impression. Anyone party. Hein? Attendez, attendez, en fait non. Ah voilà, on n'avait pas démarré. Parcours challenge started. Voilà, c'est là-bas. Ok. Reset your timer to 00. Slash parcours checkpoint to teleport. Ok. Et ça c'est quoi? Teleport to last checkpoint, reset et cancel. Bon, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Ah, bon, ok, ça a l'air d'être un jump là. Apparemment, faut passer par là. Voilà, ensuite ici. 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 Ensuite, on passe là, là. Voilà, parfait. Checkpoint 1. Ok, on est bon, ça va, on n'est pas si lent que ça. On n'est pas. Aïe. Ok, on est. Ouais, quand même un petit peu. Enfin, juste, on s'est fait un peu ralentir là. Putain, je vais rester longtemps à ce truc là, en fait, à cet endroit. Pour le moment. Non, en fait, non. C'est juste que là, je me suis foiré. Mais je vais pas y rester trop longtemps, je crois. Genre, là, je me mets là. Voilà, et je saute comme ça. C'est assez simple, en fait. Ça, aïe, ça va. Sauf des fois. J'ai l'habitude du. Je crois que j'ai pris l'habitude du parcours The Missing Sandwich. Où à chaque fois qu'on se fait téléporter, en fait le jump il se retrouve derrière nous. Mais pas devant. Genre, et du coup, j'ai pris cette habitude là. À penser que le parcours, dès que je me fais téléporter, il est derrière moi. C'est pour ça que je me suis retourné. Mais j'ai beaucoup trop joué au The Missing Sandwich, je pense. J'ai beaucoup trop joué. J'ai dû jouer 5-6 heures à la map. Alors qu'on est censé la faire en moins de temps en plus. Alors, waouh. Alors en vrai, on a l'impression que le spawn de chaque mini-jeu est petit. Mais en fait, là, on inclut quand même un jump avec plein de checkpoints et tout. Dans le spawn. Donc en fait, il est pas si petit que ça. Voilà, je sais pas si vous aviez la même impression que moi. Moi, j'ai l'impression que le spawn là, ils sont tout petits leur spawn, mais aïe. Mais en fait, ce qui compense, c'est le jump dans les bâtiments peut-être en fait. Peut-être il est pas grand, mais il est dans les bâtiments le jump et du coup, il prend un minimum d'espace. Hop. Voilà, parfait. Là, il faut, voilà, optimiser le saut. Voilà. Nickel. Nickel. Et hop. Ok. Alors, merde. Il y a un autre saut à faire là. Paf. Hop, 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 hop. Parcours challenge end. Bon, ça va! J'ai mis quoi? 1 minute 5? C'est ça? Ah non, 10 parts, cette partie. Total 2 minutes 59, ok. Bon, c'est respectable, allez. On va dire que c'est réussi. C'est quoi, lifetime kills et tout? Ok, bon, alors, du coup, le murder. Merde. Le murder, qui est juste là. Et d'ailleurs, faut voir les quêtes. J'ai pas regardé les quêtes du murder. On a win a game in any mode. Ouais, bon, ça c'est assez simple. On peut la démarrer. Parce que, qu'on soit un murder ou pas. Voilà, donc là on prend classique. Voilà. Parce que qu'on soit un murder ou pas, on peut gagner une partie assez simplement en fait. C'est genre les innocents, on gagne assez souvent en vrai. Enfin, pas tout le temps non plus, mais on gagne assez souvent quoi, les innocents. Donc, même si on est juste innocent, on peut gagner la partie simplement. Alors, je suis innocent. Et là, on a la carte de, ok, de l'endroit, des endroits où on peut aller. Et les pièces qui vont bientôt arriver. Ok. Oh, il y a déjà un mec qui est mort ou ça se passe comment? Oula, oula, les gars, j'ai un peu peur. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je te fais pas confiance, mec. T'es beaucoup trop proche.
Surtout toi derrière. Ah! Dans le coin! C'est qui? Putain, le mec est à côté. Le mec est à côté. Juste à côté, quoi. Et je crois que c'est la tête de Jean-Kévin, un truc du genre. On a vu. Qu'est-ce que tu fous ici? Les mecs immobiles, on se demande qu'est-ce qu'ils font en fait. Je suis tellement méfiant par rapport aux mecs immobiles. Les immobiles, c'est abusé. Genre, ils peuvent rester comme des poteaux, sortir leur épée dès que tu passes, te tuer et changer de position. Ah, c'est beau, Has Been Dropped. Où ça? Hein? Mais il est. Ah, mais non, il est pas du tout là en fait. Il est pas du tout là le murder. Ou alors, bon. Il est le temps de se déplacer au middle, sans doute. Plus de coins, ok. Je suis à 6. Où est le... Merde, si. Ah, ouais, il était là-bas, en fait. Oh, putain. En fait, je sais pas si c'est vraiment fort le son ou s'il est vraiment très proche. Attends. Est-ce qu'il est proche ou pas? Ah, merde. Non. Non. Non, enculé. Tu m'as pas laissé prendre le... Putain. Putain, j'aurais pu m'échapper par là. J'aurais pu prendre le petit train, quoi. Parce que du coup il m'a poursuivi, mais le mec, ouais, le mec il était à côté. On est d'accord. Juste à côté, j'ai bah du coup j'ai perdu la partie vu que il nous a tous tués avant que le détective ne puisse répliquer. Plus le détective a réussi à mourir en fait dès le début quasiment, donc c'est un peu triste pour lui quand même. On n'a pas réussi à prendre son arc. Innocent, je suis. Ok. Alors là, on va essayer de monter rapidement à 10 pour avoir le... Merde. C'est quoi ce bruit? C'est pas un bruit où on tape un mec, ça. C'est un bruit de squelette, en fait. Donc, pourquoi ce bruit? Plus 12 coins. Attends, mais... Attends. C'est bizarre. C'est les nouveaux bruits dès qu'il tue un mec. Quelque chose. Non, je sais pas. C'est quoi ça? On va tomber, c'est ça? Ok. Et à part ça, c'est quoi en fait? C'est juste des trucs de téléportation? Coucou toi. Est-ce que tu es un murder? Je ne sais pas. Ah, bouh, bouh! Non, je suis pas un murder, c'est bon, ouais. Bouh, bouh! Ça fait pas du tout peur, vu que je le tape et ça lui fait pas de dégâts, il le sait très bien. Oh, il y a un wagonnet. C'est là. Oh, ouais, faut juste appuyer sur le bouton. Magnifique. Attendez, est-ce qu'on peut arrêter le wagon, genre là, avec les leviers sur les côtés. Sur les côtés. Y a plus de levier? On peut se barrer? Non, on peut pas. Ok. Dac, j'ai fait un tour complet. Parfait. Ou alors, c'est un demi-tour, je sais pas. Peut-être c'est la moitié d'un tour, juste. Et on arrive à l'opposé. Donc, ouais, de là-bas, on est arrivé là-bas. Pourquoi goodbye? C'est... Ya, non, c'est pas un détective. C'est pas un détective. C'est juste un mec normal qui a réussi à avoir un arc avec son nombre de d'or en fait. Mais c'est pas un détective. Pourquoi il y a deux fois le même skin? Attendez. Ah non, ok, c'est pas le même. Je croyais que c'était le même, le mec avec l'arc et puis l'autre. Mais non, c'est pas les mêmes en fait. Ah putain, il y en a un. Coucou, au revoir. C'est qui? C'est qui le murder? Il faut que j'ai son pseudo. Je sais, je crois. The Gaming. It is The Gaming, I think. Je pense que c'est The Gaming. Not me. Ah, oh, putain, merde. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. On sait que c'est pas toi. J'ai vu
J'ai vu quelqu'un avec Oh! On a gagné, yes! J'ai vu quelqu'un avec une épée. C'était qui du coup? C'était. Je. Attendez, voilà. Murderer. Ah, c'était The Gaming, on est d'accord. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Le murderer était The Gaming. Et du coup, on va peut-être voir pour les quêtes récupérer ce qu'on a reçu. Avec le magnifique PNJ pour les quêtes. Donc, petit PNJ. Alors, la quête, on l'a réussi, on est d'accord. You can do this quest again, ok. You can start, ok. Et est-ce qu'on a pour... Ah, ok, ça met juste Daily Winner Complete. Enfin, Daily Quest Winner Completed. Plus 3000 expérience IPXL, plus 1500 points de Murder Mystery, ok. Et sinon, on est à combien au total de... IPXL level en fait. Donc là voilà le niveau qui est affiché. Voilà. Niveau 9. Expérience avant le prochain niveau. 16 563 points d'achievement. Je suppose que c'est 490. Ok. J'ai complété que deux quêtes. Ouais, il faut quand même les monter. Il faut quand même monter le nombre de quêtes à plus. Deux, c'est pas beaucoup, vraiment. 16 563 expérience avant le prochain niveau. Ok, et du coup niveau 10 c'est un... Je sais plus ce qu'il y a d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a des... Voilà, ça doit être là-haut. Non, c'est pas là-haut que c'est marqué. Il y a des choses qu'on peut avoir. Quest challenge. Ok. Et là on a... par exemple, où est-ce que je joue souvent? Il y a... Oui, bon, il y a Murder Mystery. Ah oui, ok. Ah, donc il y a un menu, ouais, pour avoir la liste de toutes les quêtes plus facilement. Ici. Qui sont reliés en fait. Ok. Bon bah c'est cool. Achievement 5 sur... What? Ça m'avait pas dit que là j'en avais fait juste 2. Achievement points. Ah c'est des quêtes et achievements c'est différent. Ok. Et achievement du coup on a quoi ça? Bah je sais pas où c'est. Total win, j'ai gagné 7 fois déjà. J'ai pas gagné beaucoup, beaucoup de fois en fait quand même. Et là, les règles, c'était quoi déjà? C'est en mode classique. Les joueurs ont le rôle de meurtrier, détective ou innocent. Le meurtrier doit être sneaky, donc il doit être merde. On ne doit pas le soupçonner, donc il doit être... Ah, j'ai pas le mot. Non, j'ai pas le mot. Bon, ok, il doit pas se faire voir par les autres. Personne doit savoir que c'est lui. Ensuite, il y a le murder. Enfin, il y a le détective qui lui doit trouver qui est le murder. Et l'innocent, bah, qui doit le rôle de merde, c'est marqué Run and hide to escape the murder. Hide, ouais, bon, ok, hide peut-être pour trouver qui est le murder et le dire après au détective, mais escape the murder, putain, dans le truc, c'est genre, on ne sert à rien, on est des victimes, on doit échapper au murder comme des victimes. Bon, bah, voilà, en tout cas, on n'a aucun pouvoir, sauf si on a 10 coins, et dès qu'on a 10 coins, du coup, on peut avoir notre arc avec une seule flèche. Et du coup, faut trouver comme le détective qui est le murder. Bon, ça, je pense que vous connaissez déjà, et puis sinon, bah, vous l'apprenez du coup. Et du coup, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, il y a un petit loot chest à avoir. On a un petit loot chest ici. Voilà, qui est... Non, non, il est pas là. Click here to loot. Voilà, c'est ça. Parfait. Après, on a peut-être autre chose en loot chest. Loot chest. Loot chest ici, vu que c'est marqué 1, mais je sais pas ce qu'il y a en plus. Waouh, c'est beau! C'est quoi ça? C'est un truc qu'il y a eu juste après mon... Ok, vas-y, c'est pas grave. Voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Une vue égale à un like, c'est important. Vous abonner, bah, c'est très important, vu qu'en plus, vous êtes... Pas... Vous êtes genre
75% de ceux qui regardent les vidéos sont abonnés et le reste non. Donc ça fait quand même un quart de l'audience. Ça fait beaucoup en fait au final. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager aussi la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!